les priorités qui allaient partout. Même en France. Entre les Normands, les Bretons, les gens du Midi, etc. Il y a des différences. C'est des différences. Moi, le Mandingue, le Wolof qui est ici, le Poulard qui est au Fouta, est-ce qu'on peut dire que c'est des problèmes sérieux? Je ne le crois pas. Dans d'autres pays, ces problèmes sont plus graves. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au Congo, par exemple, Congo-Kinshasa, au Mali, effectivement, avec les problèmes des Touaregs et tout ça, il y a des endroits où ça se passe moins bien qu'en d'autres endroits. Mais l'histoire aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des ethnies, des groupes ethniques qui sont là, il y a des différences qui sont bien gérées ou mal gérées. Quand c'est mal géré, il faut travailler à bien gérer ça. Et ça, c'est les hommes, les dirigeants qui ont des responsabilités. Les élites qui doivent prendre leurs responsabilités pour, gérer la diversité ethnique, la diversité culturelle. Si ces élites veulent au contraire jouer sur ces différences pour accéder au pouvoir, elles créent des problèmes. Et on ne va pas dire que c'est la société qui a créé des problèmes, c'est des élites irresponsables et corrompues, ou inconscientes, corrompues ou inconscientes de leur mission, qui créent les problèmes. Mais les hommes ont des différences. Ils ont toujours vécu avec ces différences, parfois de façon conflictuelle. Au Rwanda, au Burundi, on sait qu'il y a eu des problèmes autrement plus graves que ce qu'il y a au Sénégal. En Casamance, au Sénégal, il y a eu des problèmes. Le mouvement indépendantiste, c'était des différences ethniques qui étaient vécues très mal. Mais ici, on a appris à les gérer mieux que, par exemple, au Rwanda-Burundi. Beaucoup mieux, heureusement pour nous. Mais il y a toujours cette réalité qui est là, ces pesanteurs socioculturelles qui sont là. Les conflits, l'identité culturelle est une réalité. On ne peut pas en faire table rase. On peut comprendre cela. La majorité reste la majorité. La minorité est la minorité. Nous, de la Casamance, les Mandingues, les Diola, on reste une minorité dans ce pays. On aura beau le dire, même si on ne le dit pas en langue nationale, on est une minorité. Bon, les Poulards ont senti à un moment donné qu'ils pouvaient accéder au pouvoir après une longue période. Mais Senghor, lui, n'était pas Poulard. Il était serré. Mais c'est le fonds Wolof du Sénégal qui a porté sa candidature. C'est ce qui lui a permis d'être au pouvoir. Macky, c'était une opportunité pour les Poulards d'avoir un Poulard au pouvoir. On a toujours envie. Quand on est d'une minorité ou d'une ethnie quelconque, on a envie d'avoir quelqu'un au pouvoir. Quand vous allez même aux États-Unis, les États aux États-Unis, quand quelqu'un est de tel état, son état le pousse pour accéder à la magistrature suprême. C'est des choses normales. Tant que ça se fait de façon décente, tant que ça se fait dans la paix et dans la compétition démocratique. Moi, je suis pas sénégalaise, hein, donc je peux ouais, dire. Le monopole du Wolof partout où on est tous tout le temps obligés de parler Wolof, et puis ça, est-ce que ça va pas créer des frustrations? Mais bien sûr que ça en crée. Bien sûr que ça en crée, mais c'est pas de la faute du Wolof. C'est pas de la faute du Wolof. C'est pas le Wolof qui m'impose à moi, maintenant, de parler au Wolof. C'est pratique pour moi. Ça me permet de communiquer. Mais si vous allez à l'Assemblée nationale, par exemple, et que vous parlez Mandingue. Mandingue, par exemple, vous allez pas. Personne ne va me comprendre, donc. Est-ce que je vais dire que c'est de la faute du Wolof? Si je suis minoritaire, je vais dire que je suis minoritaire parce que la majorité ne veut pas me donner la majorité. Il faut être logique. Même si vous êtes sénégalais, vous avez le droit de parler votre langue. Mais j'ai le droit de parler ma langue. Mais si les gens ont le droit de ne pas me comprendre. Et si tu vas à l'Assemblée, tu n'y vas pas pour ne pas te faire comprendre. Donc si le président te dit, écoute, parle une langue quand même que les gens peuvent comprendre. On va chercher la petite bête. Une majorité est une majorité. Les Wolofs ne sont pas une majorité d'ailleurs absolue. Mais ils sont une majorité linguistique
Parce que c'est une majorité relative, mais la langue bénéficie d'une compréhension nationale. Bon, ne pas prendre acte de cela, c'est ne pas être responsable, quelque part. Moi, si je suis, par exemple, électrice, je me dis que si un président, le président ne peut pas parler dans ma langue, oui. ou il ne peut pas se faire comprendre oui. de moi, oui. bah, je ne peux pas voter. Bon, tu as le droit. Tu as le droit de ne pas voter pour lui. Bon, on peut faire toutes les querelles que l'on veut au système démocratique. On peut faire toutes les querelles que l'on veut aux langues et aux ethnies, etc., etc. Mais l'homme est ce qu'il est et il faut savoir vivre avec la société telle qu'elle est. Sinon, on sera là dans des récriminations, on sera là à alimenter des frustrations, à alimenter des divisions au lieu de regarder devant. Et c'est si on regarde devant que l'on va s'en sortir. Parce que dans le long terme, toutes ces différences-là vont s'atténuer. Il y a toujours une langue qui domine dans tous les pays. Hein. Ce que je pense de la migration clandestine, c'est que quand même, voilà des gens qui ont quitté leur pays, qui ont envahi le monde, qui se sont installés partout, sans demander l'avis de personne. Ils sont allés massacrer les Indiens en Amérique du Nord. Ils sont venus en Afrique nous réduire en esclavage et tout. Et aujourd'hui, parce que quelque peu est tendu pour vers l'Europe, on s'agite comme de beaux diables. Je trouve ça vraiment, j'allais dire, indécent. Au lieu d'immigrer là-bas pour aller vivre de façon misérable, souvent, essayons de faire quelque chose de l'Afrique. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire de l'Afrique une force de niveau mondial qui puisse vraiment tenir la dragée haute aux autres continents. Bon, les Chinois sont mieux placés pour nous aider que les Européens, qui n'ont eu avec nous que des rapports, malheureusement, d'exploitation pendant tous ces derniers siècles. Je n'avais jamais visité la Chine, je n'avais jamais été en Chine, mais je voyais que les Chinois avaient confiance en eux-mêmes, qu'ils avaient réussi à s'imposer à l'échelle mondiale en croyant en eux-mêmes. Et c'est ça que j'avais retenu de l'idéologie de Mao Tse-tung, compter sur ses propres forces. Et aujourd'hui encore, je crois que l'expérience chinoise est plus pertinente pour nous que l'expérience des autres continents. Je voudrais dire que, encore une fois, je crois en ce continent, je crois en l'Afrique, je crois en son avenir. Mais chaque fois que j'écris un livre, je conclue par ça. C'est à la jeunesse africaine de croire en l'Afrique. C'est à la jeunesse africaine de prendre ses responsabilités. Et si elle le fait, l'avenir du monde sera entre ses mains. Les Africains américains pèsent de plus en plus lourd dans la politique américaine. Si on va en Europe, nous savons tous que ces Africains qui vont là-bas pèsent de plus en plus dans la politique. Cet avenir-là, nous pouvons le maîtriser si notre jeunesse le comprend et a la volonté d'y arriver. Partout, la science aujourd'hui, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de nationalité. Les études n'ont pas, il n'y a pas un centre mondial des études. Avec l'avènement de l'Internet surtout, la connaissance est à la portée de tous. Et c'est le savoir qui va assurer demain le leadership d'un groupe sur les autres.